Coucou. Coucou. Coucou Stéphanie. Je ne sais pas si vous m'écoutez, hein, le son. Est-ce que le son il passe? Happy birthday, Sorel Meunier. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sorel. Happy birthday to you. Est-ce que le son sort alors? Ouais, excusez-moi, j'étais en train de travailler. Dites-moi quand même si le son sort, non? Est-ce que le son, il passe, le son? Le son sort, vous m'écoutez? D'accord, Stéphanie. Ok. La mouche est sortie. Ah, mon jus. Ok, d'accord. Envoyez-moi les cœurs alors. Je veux que tu demandes que tu ne dors pas. On s'était entendu ici que on devait commencer à faire nos directs dans la nuit. C'est ce qu'on s'était dit. On s'était dit qu'on va faire nos directs dans la nuit. Donc, ceux qui dorment déjà, tant mieux. Ce sont les bébés. Les esprits forts ne dorment pas dans la nuit. Nous, dans la nuit, on est en combat. On est en combat spirituel. Donc, on ne peut pas dormir, en fait. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Et vous partagez le direct. Vous partagez le direct. Avant de commencer, j'ai envie de dire que les gens qui sont peureux là, ceux qui dorment seuls, ceux qui sont peureux, ceux qui ont peur, je dis ça comment, ceux qui soient vivent seuls, soit dorment seuls, soit qui ont peur, je vais vous inviter tout doucement et poliment à quitter le direct parce que je ne veux pas entendre après que c'est à cause de moi que vous n'avez pas dormi. Donc, s'il vous plaît, commencez à quitter le direct, je vous en prie. Là, j'ai l'impression qu'on a des problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'écoutez bien? Vous me voyez, vous m'écoutez, c'est bon? Est-ce que c'est bon? J'ai pris un modem là, donc de temps en temps la connexion s'en va, elle revient, de temps en temps elle s'en va, elle revient. Avant de commencer, je vais être sûre que tous ceux qui sont là sont des personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui sont des personnes qui sont prêtes à écouter tout ce qui va se dire dans ce direct. Donc, je répète, tous ceux qui vivent soit seuls, soit tous ceux qui dorment seuls, soit ceux qui sont faibles d'esprit, oui Stéphanie, ou soit ceux qui ont peur, les peureux là, quitter le direct. Ça bug? Voilà, c'est ça, c'est la connexion qui est en train de déranger. Ok, je ne parle pas fort. Le son est faible. Là, c'est bon ou bien, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est bon là? Là, j'ai un peu haussé le ton, ça passe?
Est-ce que le son, il est bon? Ok, d'accord. Ok, dès qu'il y a le moindre trouble, vous me dites, hein, parce que là, je crois que ça doit être mon modèle. Ça doit être mon modèle. Alors, Kathleen, si c'est flou chez toi, les personnes qui parlent de Shakiro ici, je vais vous bloquer. D'ailleurs, Dylan, attends, je te bloque là. Je ne sais pas quel est le rapport entre mon direct et Shakiro. Il n'y a pas de rapport. Je bloque Steve. C'est Dylan qui l'a. Dylan, attends, je vais te bloquer de ce téléphone-ci. Je vais te bloquer à partir d'ici. Je ne sais pas quel est le rapport entre mon direct et Shakiro. Il n'y a pas de rapport. Je vais bloquer. Steve. C'est Dylan qui l'a. Dylan, voilà. Attends, je vais te bloquer de ce téléphone. C'est bon. C'est bon, j'ai bloqué. Parce que je ne comprends pas. Alors, l'image n'est pas bonne comment? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est quoi le souci? Maintenant, l'image est OK? Enfin, si l'image n'est pas bonne et que le son est bon, ça va. L'image est OK chez tout le monde ou bien c'est seulement... Chacal parfois et parle un peu à voix. Ok, je suis en train d'essayer de parler à haute voix. Là, ça va. Je veux que ce soit ok chez tout le monde. J'ai l'impression qu'elle n'est pas bien bloquée, Dylan, là. Je vais te bloquer. Dylan, attends, je vais te bloquer. Je vais te bloquer à partir d'ici. Je ne sais pas quel est le rapport. Ah, Dylan, je ne t'avais pas bloqué. Je ne t'avais pas bien bloqué. Attends. Je vais te bloquer. Vous allez apprendre à respecter les gens. Attendez, hein, je vais bloquer Dylan d'abord. Tu vas revenir avec ton faux profil. C'est mieux. Parce que vous devez apprendre à respecter les gens. Je ne comprends pas c'est quoi le rapport entre mon direct et Shakiro. Je ne comprends pas. Je cherche le rapport. Je ne trouve pas. Parce que vous devez apprendre à respecter les gens. Je ne comprends pas. Attendez, je vais bloquer. Quoi le rapport entre mon direct et Shakiro. Voilà, c'est bon. Il est bloqué. Donc, ok, d'accord. C'est bon, là, c'est bon. J'ai bien bloqué. Ok. Oui, Estelle, bonne nuit. Ceux qui n'ont pas les mégas, là, allez vous coucher. Ceux qui ont peur, allez vous coucher. Ceux qui vivent seuls, allez vous coucher. Ceux qui ont l'esprit faible, allez vous coucher. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas entendre après que, chef d'État, c'est à cause de toi que je ne dors pas. C'est à cause de toi que je ne peux plus dormir. Parce que tu as parlé de ceci, tu as parlé de cela. Je voudrais qu'on soit clair. Et désormais, ce sera comme ça. Nos directs spirituels auront lieu généralement dans la nuit. Paula Kenfak dit que ça va, non, pas le maman. Attends, je te bloque. Les yemtologues qui viennent m'apprendre comment je dois faire mon direct là. Je ne comprends pas. Attendez. Je cherche le rapport. Paula. Je vais apprendre à respecter les gens. Un instant, hein. Je vais d'abord baisser le volume. Je vais bloquer. Hein. Je vais rester uniquement avec les personnes qui seront disciplinées. Ça, ce n'est pas un direct de Japap. Où c'est Paola? Où c'est Paula? Je bloque. Voilà, c'est bon. Soit vous êtes connecté, vous restez tranquille, vous lisez. Soit le direct ne vous intéresse pas, vous traversez, parce qu'il s'agit d'un direct spirituel uniquement pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit. Soit ça ne vous intéresse pas, vous traversez, vous partez, vous couchez. Parce que le moindre commentaire déplacé, là, je vais seulement bloquer. Je suis d'abord très énervée aujourd'hui. Voilà. Je suis d'abord très, très énervée aujourd'hui. D'habitude, vous faites ça, je rigole et tout, mais là, j'en ai marre. Si je vous donne mon inbox 5 minutes, je dis mon inbox 5 minutes, mais je ne suis pas sûre que vous allez tenir. Vous allez craquer en fait. Les histoires des gens que je reçois, les problèmes des gens que j'encaisse, je dis si je vous donne mon inbox 5 minutes, vous n'allez pas pouvoir supporter.
Donc, quand vous me voyez en direct comme ça à cette heure-ci, de grâce, excusez-moi. De grâce, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais commencer. Je veux qu'on parle. Envoyez-moi les cœurs déjà. Et j'espère que vous allez partager le direct. Partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Élise Tonnier, coucou. Oui, Florine, on bloque tous les mauvais esprits là aujourd'hui. Parce que j'ai déjà constaté que... Ah, ok, Ina, merci, j'utilise la gamme thématique de Black On. J'ai déjà constaté que, comme j'ai commencé à faire mes directs le soir, maintenant même les sorciers s'arrangent aussi à être connectés le soir, uniquement pour nous troubler. Après, ils vont commencer à nous perturber le direct. Envoyez les cœurs massivement, s'il vous plaît, pour que notre direct ne soit pas signalé. Je veux qu'on parle aujourd'hui de la mort. On va parler de la mort aujourd'hui. C'est un sujet qui m'interpelle un tout petit peu. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions, de questionnements et tout. Je veux qu'on parle de la mort. Passe en inbox messenger, Ina, après le direct. Inbox messenger. Oui, ma clim fait un bruit bizarre parce qu'elle est à 16. Donc, maintenant, si le bruit t'énerve, ma chérie, tu sors du direct tout simplement. Et tu vas sur les pages des pasteurs, je sais pas quoi. Tu n'es pas obligé d'écouter le direct. Donc, les faux problèmes, là, vraiment, épargnez-moi ça. Si vous n'avez pas un commentaire constructif à faire ou bien une question à poser, traversez. Mais les Kennec. Ok, je veux qu'on parle de la mort aujourd'hui. Vous avez tous lu, certainement, ceux qui sont connectés là, vous avez certainement lu l'histoire de l'exhumeur. Vous avez certainement lu l'histoire de l'exhumeur. Alors, beaucoup, j'ai vu des commentaires où des gens venaient écrire c'est quoi exhumer, ça signifie quoi, c'est pourquoi et tout. Donc, je veux qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est quoi l'exhumation? C'est pourquoi on le fait, pourquoi on le fait, comment? Enfin, on le fait comment, on le fait pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne et quelles sont les conséquences? On s'expose à quoi quand on pratique, quand on fait cette pratique? Donc, ce direct te concerne. Donc, je veux déjà que vous me confirmiez si vous avez lu l'histoire de. L'histoire du monsieur, je ne sais pas si je dois dire monsieur ou bien jeune homme de 29 ans qui a écrit tout à l'heure en disant qu'il est exhumeur. Mélissa Sacha, coucou. Donc j'ai lu les commentaires comme quoi les gens demandaient qu'est-ce que c'est et tout et tout. Ça m'a un peu interpellée parce que je me dis en 2021, on est censé connaître ces choses-là. Parce que c'est le quotidien, c'est des choses qui se passent. Je vous explique déjà la définition d'exhumer. Exhumer, c'est déterrer. En d'autres termes, le synonyme d'exhumer, c'est déterrer. Donc, c'est une pratique qui consiste à déterrer un corps qui a été enterré. Maintenant, les raisons, elles sont diverses. C'est de ça que je veux parler. Je vais entrer dans les détails. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comment on le fait déjà? Et puis pourquoi le monsieur, lui, apparemment me voit dans ses rêves et tout ça? Parce qu'il faut que je vous explique. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je vais commencer par vous. On va commencer à parler de ça, là. Envoyez les cœurs massivement. Élise Tonnier, envoie les cœurs. Brandon, s'il te plaît, les cœurs, mes chéris. Donc, on ne s'occupe pas des yémtologues qui sont connectés là. Donc, alors, avant de commencer, vous devez savoir que la mort en général,
tout ce qui concerne la mort, hein, constitue aujourd'hui un business ou alors une opportunité de business terrible. Je vous explique. Quand quelqu'un décède, je ne sais pas comment, pourquoi ça brouille chez moi là. Quand quelqu'un décède, hein, quand quelqu'un meurt, enfin, dans la vie, avant de commencer, avant de parler de ça, je dois parler de certaines initiations. Quand je vous dis qu'il est important de développer sa spiritualité, quand vous développez votre spiritualité, je ne sais pas si vous m'écoutez toujours, hein. Ah, je vais contrôler là chaque minute. Quand on décide de développer sa spiritualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Merci, mon Jésus. Quand on décide de développer sa spiritualité, ça veut dire que... on décide aussi d'être spirituel. Et quand on est spirituel, ça veut dire qu'on décide de ne pas être comme les autres. Attendez, je bloque les marabouts là, progressivement. Il y a un marabout qui vient de commenter là. Il faudrait qu'on le bloque. Merci Mimi Sacha. Je cherche le commentaire du marabout. Le marabout, le marabout, le marabout. Voilà. On va les bloquer progressivement. Ok, c'est bon. Donc, je disais que quand quelqu'un décide d'être initié, de développer sa spiritualité, ça veut dire qu'il veut être spirituel. Et quand quelqu'un décide d'être spirituel, ça veut dire qu'il veut être différent. Et pour être spirituel, ça passe par des initiations. Ça, c'est tout un autre débat. Que si on commence là maintenant, on ne peut même pas finir parce que c'est étape par étape. Les initiations, c'est étape par étape. Alors, dans la vie, quand on est initié, qu'on ne peut pas subir, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre, il y a des choses également qu'on ne peut pas faire, parce que c'est donnant-donnant. Maintenant, quand vous entendez qu'on exhume un corps, d'abord je commence par la jeunesse, comment ça se passe? Ça se passe comment? Je vous explique. Quand quelqu'un décède, on amène le corps à la morgue et tout ça, généralement, de deux choses l'une. Je m'explique. Les exhumeurs, eux, ils attendent. La connexion est en train de... Je vous ai demandé d'envoyer les cœurs. Quand vous n'envoyez pas les cœurs, ils vont signaler le direct. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle sorcier. Moi, je suis mieux placée pour... Quand je vous dis envoyer les cœurs et partager le direct, c'est parce que les gens vont signaler le direct. Et ils vont signaler justement pour que je ne parle pas de ce sujet. Et quand je ne parle pas de ce sujet, c'est à leur avantage parce que je ne vais pas dévoiler les choses cachées. Donc, quand on vous dit booster les cœurs, envoyer le maximum de cœurs possible, c'est pour que nous puissions préserver notre direct et que je puisse dire tout ce que j'ai à dire jusqu'à la fin. Le sorcier à l'heure, si ce sont les heures de combat, c'est pour ça qu'on a décidé unanimement de faire nos directs à 16h-ci parce que pendant que les gens sont en boîte de nuit, les gens sont dans les snacks et tout, on aurait pu aussi être là-bas. Mais on a décidé que ce sont nos heures de prière, ce sont nos heures de combat spirituel, ce sont des heures que nous devons utiliser pour régler en quelque sorte notre vie. La sorcellerie se passe entre minuit et 3 et 4 heures du matin. Entre minuit et 4 heures du matin, ce sont les heures où les voyages de nuit se font. Attendez, je vais bloquer le marabout Marie-Rose là. Je ne comprends pas comment les marabouts ont autant de faux profils. Je vais bloquer Marie-Rose un instant. Voilà, je bloque, c'est bon. Donc, envoyez le maximum de cœur possible. Envoyez le maximum de cœur possible. Voilà. Donc, je disais tantôt que... les voyages de nuit, les mangements des gens, même les exhumations et tout ça, ça se passe généralement entre minuit et 4 heures du matin. Donc, entre minuit et 4 heures du matin, c'est là où tout ce qui est mauvais dans le monde se passe. Alors, vous aussi, quand vous voulez combattre le mal, ça doit se faire à ces mêmes heures-là parce que c'est à ces heures-là que le mal se fait. Tu ne peux pas
tu ne peux pas, la prière de midi, par exemple, n'a pas la même puissance que la prière que tu fais à minuit. La prière de 15 heures n'a pas la même puissance que la prière que tu fais à 3 heures du matin. C'est pour cela que nos kits, quand vous prenez les kits chez nous, tous nos kits sont conditionnés, sont conditionnés par la prière à minuit pile. Parce que c'est des heures de, comme les Ivoiriens disent, bim. C'est des heures du bim. C'est-à-dire quand tu pries à ces heures-là, c'est le bim même que tu donnes aux sorciers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand ils vous demandent d'envoyer les cœurs, là, ce n'est pas pour mon propre plaisir. Je m'en fous en fait des cœurs. C'est vrai qu'en journée, j'aime bien parce que ça fait plaisir de voir vos cœurs et tout. Mais là, il s'agit des cœurs pour préserver notre direct, pour que notre direct ne soit pas coupé. Voilà. J'étais donc en train de dire que j'étais à quel niveau? J'étais en train de dire que généralement, quand quelqu'un meurt, les exhumeurs, comment ils se comportent? Comment ça se passe pour qu'on exhume un corps? Je vous ai d'abord donné la définition. L'exhumation, c'est déterrer. C'est-à-dire enlever du sol, déterrer un corps. Maintenant, les raisons et tout, on en parle. C'est le but de notre direct. Parce que cette histoire a choqué tout le monde. Même s'il y en a qui ont dit que... Oh, j'ai vu, je crois, deux commentaires qui ont dit que c'est des histoires montées, tout ça. Mais vous me faites rire, hein. Vous me faites rire, hein, franchement. Donc, quand quelqu'un décède, on met le corps à la morgue et tout, et tout, et tout. Déjà que le procédé de la processus de la morgue, même si je vous explique encore ça, c'est encore très long. Parce que généralement, quand quelqu'un décède, qu'on a seulement vendu, les morguiers, eux, ils sont censés savoir. Puisque eux, ils sont censés être initiés également. Bref, c'est une autre procédure. Aujourd'hui, on parle d'exhumation. Le jour où on va parler de Famla et tout ça là, je vais vous expliquer concrètement. Je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe. Mais aujourd'hui, restons un peu dans le cadre de l'exhumation. Alors, quand on enterre, après quelques jours, les exhumeurs, eux, ils viennent donc à la tombe. Et ils ont des pratiques. C'est-à-dire, comme ils sont initiés, parce que pour faire ce métier, je ne sais pas si je vais appeler ça métier, hein, parce que pour faire cette pratique, je préfère... Pour faire cette pratique, il faut être initié. Il faut avoir subi une certaine initiation pour se tenir devant. Parce que quand on dit exhumer, ils ne font pas l'exhumation avec les mains. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas là déterrer comme ça, comme ça, comme ça. Non. Mm-mm. Ceux qui font ça, ce sont les gens, les exhumeurs de bas quartier qui font encore, genre, ils déterrent à la pelle et tout, ceux qui font ça par famine, quoi. Mais les vrais exhumeurs, c'est-à-dire ceux qui sont initiés pour exhumer, ils le font spirituellement, ils le font mystiquement, ça c'est même pas... Ils le font mystiquement. Comment ça se fait? Il y a des mantras qu'ils récitent. Ça veut dire qu'ils viennent à une heure, généralement c'est les soirs de 4 heures du matin. C'est-à-dire quand le jour est en train de se lever, mais quand les gens dorment encore, c'est-à-dire il ne fait pas jour, mais le jour a commencé à se lever. Ils viennent à 4 heures du matin devant la tombe et ils ont des mantras qu'ils récitent, des mantras mystiques. Un mantra, pour ceux qui ne savent pas, comment je vais traduire ça en français, facile. C'est un peu comme une formule, voilà. Un mantra, c'est une formule que l'on récite. Oui, rose, rose de Jésus. La prière de 4 heures, de minuit à 4 heures, très importante. En effet, alors le mantra, comme je disais tantôt, c'est une formule qu'on récite. Maintenant, par rapport à un but spirituel, généralement, les mantras, on va également faire un direct sur les mantras uniquement parce que le mantra, c'est très important. Là, on entre déjà dans l'initiation même à la spiritualité. Parce qu'on va faire un cours comme ça. Mais là, en fait, on parle de l'exhumation. Je veux qu'on reste dans ce cadre. Comme tu disais tantôt, le mantra, donc, ils ont des mantras diaboliques, mystiques, des incantations, ouais. Mais le mantra n'est pas incantation. Le mantra, c'est une formule. Ouais, on peut dire, mais incantation va beaucoup plus dans le cadre négatif.
péjoratif, alors que le mantra, lui, il peut être positif. Donc, je ne veux pas qu'on définisse un mantra par incantation. Non. Par contre, eux, ils font des incantations. C'est-à-dire, ils ont des incantations qu'ils font devant la tombe et le cercueil sort de la tombe. Ils ont une autre formule qu'ils répètent. Le cercueil s'ouvre automatiquement. Et la personne qui est dedans sort. Ils enlèvent ce qu'ils ont enlevé. Le cercueil retombe dans la tombe. Et ils s'en vont. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, je parle là des vrais exhumés. C'est-à-dire, des gens, voilà. Natkam, c'est toi qui as trouvé le mot. C'est une méditation. Exactement. Un mantra est une méditation. C'est une formule de méditation, un mantra. Si on doit expliquer ça très terre à terre, pour des personnes qui ne sont pas spirituelles, qui ne vont pas comprendre si j'emploie les termes spirituels. Un mantra, c'est une formule de méditation. Alors, ceux qui parlent d'incantation, non, les incantations sont plutôt à part. Et puis, les incantations sont plus péjoratives qu'autre chose. Je m'explique. Donc, je disais qu'ils se tiennent devant le tombeau. Hein? Ils font donc les incantations là. Ils récitent les mantras qu'il faut réciter. Attendez, je vais bloquer Kabouré. Les marabouts, là, vous faites comme quoi ici? Et Azamboum, qu'est-ce que les marabouts cherchent ici? Ça vous prend souvent même pas. Hein? Attendez. Je vais bloquer. Non, les mantras ne sont pas les voies de communication avec les esprits. Non, ce n'est pas ça la définition. Ça n'a rien à voir. Pour communiquer avec les esprits, on n'a pas besoin de mantra. Moi, par exemple, pour communiquer avec les esprits, je n'utilise aucun mantra. Je n'ai pas besoin de mantra. Donc, ce n'est pas ça la définition. Le mantra est une formule de méditation. Tout simplement. Oui, je bloque tous les marabouts, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je disais que pour les vrais exhumeurs, c'est-à-dire les personnes qui sont exhumeurs professionnels. C'est-à-dire, eux, ils sont initiés. Ils sont initiés et quand ils viennent, eux, ils n'utilisent pas de pelle, de machin pour déterrer, creuser, tout ça, non. Ils utilisent juste la formule et le cercueil, lui, sort tout seul de la tombe. Et quand le cercueil sort de la tombe, il s'ouvre. Il s'ouvre et maintenant, eux, ils retirent ce qu'ils ont à retirer, généralement, les ossements et ils s'en vont pour vendre. Maintenant, les qui achètent et pourquoi? Ça, c'est d'abord la première catégorie d'exhumeurs. Maintenant, tu as des gens qui exhument, ils ne sont pas initiés. Ça veut dire qu'ils le font par famine. Ils n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune compétence, mais ils le font parce qu'ils ont faim. Ils ont aussi appris. Ils ont aussi appris que bon voilà, dans ce métier là on peut se faire des millions et tout. Ils se sont lancés, ils n'ont pas d'initiation, c'est à dire eux ils creusent et puis voilà. Alors généralement c'est le cas de la personne, notre ami qui nous a contacté aujourd'hui. Celui qui nous a contacté aujourd'hui, lui, il est dans le cadre de ceux qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas subi une initiation particulière pour faire ça. Et quand vous n'avez pas subi une initiation pour faire ça, vous êtes tellement exposé parce qu'il y a des corps qu'on ne touche pas. J'en viens. Je disais donc tantôt, parce que là, il est d'abord question de donner quels sont les différents exhumeurs qui peuvent exister. Ce sont lesquels? J'ai dit qu'il y avait les vrais exhumeurs, c'est-à-dire ceux qui sont initiés à l'exhumation. Ceux qui sont, quelqu'un demande, ils enlèvent quoi? Ils enlèvent les ossements au lit Traoré, les ossements humains, les os. Maintenant, je disais tantôt qu'il y a les exhumeurs qui sont initiés, ça c'est les professionnels. Ceux qui sont désignés, c'est-à-dire il y a même des exhumeurs, surtout dans nos villages bassa là, il y a des exhumeurs de génération en génération. Ah, bon du mal, bon, que j'ai failli bloquer. Ah, j'ai
bien dit, c'est que ceux qui ont l'esprit faible, allez vous coucher. Attendez, je bloque le marabout Cyril là. Parce que vous avez déjà commencé à avoir peur, n'est-ce pas? J'ai dit ici que ceux qui ont peur, ceux qui savent que dans la, généralement, ils sont des personnes qui ont peur, des personnes qui ont l'esprit faible, déconnectez-vous parce que c'est un direct qui ne va, va pas vous aider si vous voulez dormir. Voilà ça que ça commence. Donc, avant de continuer, je vais vous laisser 2 minutes. Je vais laisser 2 minutes à toutes les personnes qui savent que elles ne peuvent pas supporter certaines déclarations dans la nuit, les personnes qui dorment seules. Je sais ce que c'est que d'avoir peur. Ça peut arriver, même si je pense que l'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Nous sommes des enfants de Dieu, on ne devrait pas avoir peur. Maintenant, comme on est fait de chair, ça peut arriver. Hein? Si vous savez que vous êtes faible d'esprit pour l'instant, sortez du direct, vous reviendrez de regarder en journée. Parce que le direct, moi mes directs, je ne les efface pas, ils restent là. Donc en journée, vous pouvez écouter ce genre de choses, vous n'aurez pas peur. Mais ceux qui savent que pardon, moi je pleure votre sort, ceux qui dorment seuls, à bec. Parce que généralement, c'est comme ça que ça crée un traumatisme. Et après, vous allez rêver de tout ça. Et ce n'est pas bon. Donc vous avez 2 minutes, sortez du direct. Je voulais moi finir, quand tu as commencé avec certaines explications, j'ai commencé à regarder autour de moi, dormir dans le salon des gens. Ouais, ton répétiteur en ligne. Va te coucher. S'il vous plaît, 2 minutes pour que les esprits faibles se déconnectent. Si vous savez que ceux qui sont restés là sont des personnes qui sont aptes à écouter notre direct, envoyez le maximum de cœur et on continue. Et désormais, nos directs vont se faire dans la nuit. Parce qu'au moins dans la nuit, on est sûr qu'on est tous des matures ou bien des immatures. On est sûr qu'on est tous des spirituels. On est sûr qu'on n'a pas de problème. C'est bon? On peut continuer? Parce que je ne veux pas lire après que quelqu'un a peur. Ok. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Alors, je disais tantôt que, ok, c'est bon. C'est bon, Nat. Je disais tantôt que il y a des exhumeurs qui sont des professionnels. C'est-à-dire, eux, je prenais l'exemple de nos villages Bassa. Tu as des villages chez nous où les gens font ce métier de génération en génération. Ça veut dire que les grands-parents, ils étaient exhumeurs. Ils ont initié les enfants qui sont devenus exhumeurs. Qu'ils ont initié ainsi de suite, c'est-à-dire c'est de génération en génération, l'initiation, ça se fait. Donc, tu as des exhumeurs professionnels qui, eux, sont initiés pour faire ça. Voilà. Donc, maintenant, tu as des exhumeurs qui ne sont pas professionnels. Quand je dis professionnels, ça veut dire qu'ils n'ont pas subi une initiation particulière pour faire ce métier. Ils le font tout simplement. Ça veut dire que ça sort comme ça sort. Hein? Parce qu'ils ont appris que c'est un métier qui donne beaucoup d'argent, ça donne des millions. Alors, ils se sont lancés sans aucune forme de protection particulière. Ça, c'est très dangereux parce que ça t'entraîne très rapidement dans la tombe. Bref. Et maintenant, tu as des personnes... Tu as des personnes qui travaillent sous couvert. Ça veut dire que eux, ils sont des commissionnaires. J'en viens. J'ai donné la première. Attendez, je viens de voir l'autre marabout. Je bloque. Je ne veux même pas que le témoignage d'un marabout fasse 2 minutes sur la page ici.
un marabout qui vient dire que faites attention au témoignage des autres marabouts. Voilà Leslie qui dit que dans le Noun, ça se fait de manière archaïque. Ouais, exactement. Même chez les Bassas, c'est comme ça. C'est de vraiment, c'est ça se transmet. Donc maintenant, Brandon, je ne connais pas quoi. Donc maintenant, je disais que j'ai l'impression que l'image tend à être floue constamment. Donc je vais tenir mon modem à main pour que voilà. Donc, je disais que maintenant, la méthode, ceux qui sont initiés, eux, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, ils ne touchent rien. Ils se tiennent juste devant la tombe, devant le tombeau. Ils font des incantations et puis, comme je vous ai dit, le cercueil, lui, sort et ils prennent les eaux qu'ils ont envie de prendre, ils s'en vont. Le cercueil retombe dans le truc. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui n'ont pas subi ou bien reçu une initiation particulière, comment eux ils font? Ils vont déterrer le cercueil. Quand ils vont déterrer, ils déterrent. C'est-à-dire qu'avec les machins, la pioche, on creuse le machin et tout, ils sortent le cercueil, ils déterrent et tout ça, machin. Bref. Il y en a même qui traitent avec les familles. Ça veut dire que nous, on a peut-être perdu quelqu'un. Toi, peut-être, je ne sais pas, je veux dire quoi, Larissa a peut-être perdu un membre proche. Voilà. On met le corps. Vous savez que quand il y a deuil, généralement, les commissions sont hiérarchisées. Ça veut dire qu'il y a les chefs de famille, il y a les ceci, il y a les cela, il y a des personnes qui sont des décideurs, hein, de tout ce qui va se passer et tout. C'est-à-dire que tu verras quelqu'un qui viendra proposer de l'argent peut-être au chef de famille ou bien au représentant du chef de famille. Ou bien il y a parfois généralement les membres de la famille qui sont complices. Attendez, je vais faire une parenthèse. Je vais répondre à Prince Bichot qui dit « Aime Boud, je ne sais pas pourquoi ». Prince Bichot, je vais te répondre en direct parce que tu es venu poser ta question en direct. Parce que tu aurais pu venir inbox, mais je vais te répondre en direct. Dans ma vie, j'ai horreur des hypocrites. Je n'aime pas les personnes qui sont hypocrites dans ma vie. Ça ne marche pas avec moi. Quand tu es hypocrite avec moi, je te classe immédiatement. Toi, je ne te connais pas, on ne s'est jamais vu. On a sympathisé aussi sur les réseaux sociaux comme ça, là, et tout, voilà. Et on se parle quand je suis en direct. Et puis, bon, ça va. Après ça, il n'y a pas... Il n'y a pas autre chose. Mais je t'ai vu sur les commentaires d'une page que je vais taire où les gens ont fait des accusations enfin, sur Robinson Pifo qui est mon ami. Et toi, tu allais commenter négativement là-bas. Parce que, alors que tu as vu que mon nom y était prononcé et tu allais commenter. Je n'ai pas vu ton commentaire là-bas pour dire que non. Vraiment, non, et vous racontez quoi, Ivana, machin, non, tu allais commenter, on se comprend, je ne vais pas entrer dans les détails, tu allais commenter de manière très hypocrite, et j'ai trouvé que c'était aussi hypocrite de ta part, du coup, je t'ai classé simplement, je n'ai pas de problème avec toi, mais je t'ai tout simplement classé, j'ai compris que, bon, heureusement que moi, depuis le début, je n'ai même pas de rapport direct avec toi, je n'ai aucun rapport en dehors de... que tu es mon citoyen comme les autres et puis voilà, je te remarque parce que tu es constamment dans mes directs. Mais vraiment, aller commenter comme tu as commenté là, juste à taguer les gens sur un post de mon ami. Moi, je suis très fidèle à mes amitiés. Hein. Je suis tellement fidèle. Je ne supporte pas le faux. Moi, je n'aime pas. Je peux me salir, je peux mouiller mon maillot pour quelqu'un que j'estime être mon ami. Alors, tu ne peux pas voir une publication où... On parle de Robinson Pifot. Même si Robinson Pifot, ce n'est pas ton ami. Moi qui suis quand même malade, j'ai été cité là-bas. Donc, tu n'avais pas à aller faire les commentaires à deux balles, les tagages à deux balles comme une femme. Donc, moi, je suis restée tranquille. Je suis une grande fille. Hein. Je n'ai pas venir te dire que non, Robinson Pifot. Pourquoi tu es parti écrire telle chose là-bas dans telle page et tout. Tout ce que vous faites dans les pages là, nous on lit. Hein? Ne croyez pas qu'on n'a pas le temps. On lit, on voit tout ce qui se passe.
Moi-même, quand là, ma période de lynchement arrive, de lynchage arrive, là, je passe sur toutes les pages, là, je lis tous les commentaires, j'avale seulement. C'est comme ça. On lit, on a le temps. Donc, moi, en grande fille, j'ai lu ton commentaire, je dis, ouf, j'étais classée, c'est tout. J'étais tout simplement classée, je suis restée tranquille. Et depuis, tu as constaté justement, pas que je te boude, mais je t'évite en fait. Je te traverse comme le taxi. C'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, quand tu me vois en direct, tu viens écrire là dans mon direct que je te boude. Alors que tu as mon IB, tu peux venir m'écrire sur Messenger que ouais. Et je constate que tu me boudes, c'est pourquoi. Tu viens écrire là dans le direct. Je t'ai donc aussi répondu en direct. Bon, c'était une parenthèse. Je lisais tantôt donc. Il y a des gens qui partent négocier avec les chefs de famille. C'est-à-dire qu'il y a des représentants des familles qui prennent de l'argent des exhumeurs pour vendre leur corps, mais back. Je vous explique comment ça se passe quand c'est la famille qui accepte de vendre sa personne aux exhumeurs. Quand les exhumeurs viennent vous proposer ça, ils vous donnent de l'argent. Quand les exhumeurs vous donnent de l'argent, ils vous donnent également des vêtements qui sont exactement Yolanio, exactement, je t'assure. Moi, j'ai horreur. L'hypocrisie et moi, on ne s'entendra jamais. Moi, je suis quelqu'un, je suis trop vrai. Je suis tellement vrai que moi, je ne supporte pas. J'ai horreur, franchement. Tout le monde connaît Prince Bichot dans mes directs ici parce qu'il aime toujours dire que je suis son épouse. Moi aussi, j'aime aussi dire que ça va mon prince, machin. On joue le jeu dans les directs pour animer la galerie et tout. Voilà. Donc, que ce soit lui qui soit en train de commenter, de faire des commentaires bidons sur un poste qui est censé me fustiger. Je suis désolée. Je suis désolée, mais voilà. Bref, je disais donc que les exhumeurs remettent des vêtements exactement, quelqu'un a dit les vêtements magnétisés. C'est-à-dire les exhumeurs remettent des vêtements qui sont magnétisés à la famille. Les vêtements là serviront à quoi? Ce sont les vêtements avec lesquels on va habiller le mort à la sortie de la morgue. C'est-à-dire qu'on habille avec, ce sont les vêtements qui sont travaillés. Quand on a déjà mis le vêtement là, c'est bon. Le mort appartient déjà au clan des acheteurs d'ossements humains parce qu'il a seulement porté ce vêtement-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin, les exhumés n'ont même plus besoin d'aller à la tombe, faire les incantations, tout ça. Non, le simple fait qu'il ait porté ce vêtement, il les a déjà rejoints. Et on a déjà pris, ils ont déjà pris ce qu'ils veulent prendre et puis c'est bon. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Donc, quand ils font ça, je ne sais pas si on s'écoute toujours, hein, parce que là, ça commence à flouter un peu chez moi, là. Envoyez les cœurs. Dès que vous sentez que la connexion est en train de... Envoyez les cœurs, simplement, ça reviendra. Donc, je disais que quand ils font ça, je vous demande d'arrêter avec le portefeuille magique. Attendez, je bloque. Mais je ne comprends pas la bipolarité des maraboutiers. Et même marabout, il demande aux autres d'arrêter les choses des marabouts. C'est pourquoi? Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, quand il donne ça, en fait, quand il donne ça, c'est comme une forme d'initiation aussi. Hein. Le mort, automatiquement, il est déjà dans leur camp. Il y a beaucoup de membres de nos familles qui font ça. Back. Ils prennent de l'argent. Et puis, tu vas entendre que... Non, ça va. Je voulais juste savoir si tu dors. C'est bon, ça va. Donc, ils font ça. Après, tu vas entendre que... non, vraiment, quand on fait les réunions de préparation des obsèques, là, tu vas entendre quelqu'un qui... La connexion dérange, envoyez les cœurs simplement. Hein. Si la connexion dérange, vous envoyez simplement les cœurs. Envoyez simplement les cœurs. Voilà. Quand vous boostez les cœurs, les sorciers ne peuvent pas signaler. Je vous ai dit depuis de pomper les cœurs.
Parce que si vous ne pompez pas, ils vont signaler. Et quand les sorciers vont signaler le direct ici, moi, je ne vais plus revenir là-dessus. Le prochain direct, je parlerai d'autre chose. Et pourtant, il est important de savoir. Il est important de savoir. Quand ça coupe, c'est parce que les gens sont en train de signaler. Et les gens qui signalent le font exprès. Ils le font parce qu'ils ont un intérêt à ce que ce direct ne soit pas fait. Vous devez comprendre ça et vous devez seulement pomper les cœurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans. Vous savez que moi, je n'aime pas parler de la même chose deux fois. J'ai horreur. Donc, si on coupe le direct ici, moi, je ne parlerai plus de ça. Je reviendrai parler d'autre chose la prochaine fois. Oui, mais ne mettez pas les cœurs en commentaire. Mettez les cœurs lancés. Les cœurs lancés, là. C'est bon. C'est ce qu'il faut. Parce que quand on signale un direct, Facebook, lui, se dit que c'est un direct qui n'est pas bien, qui peut peut-être choquer la sensibilité et tout. Alors que non, c'est plutôt un direct qui est instructif. Mais Facebook, lui, n'est pas là pour écouter justement tous les directs de Facebook. Donc, il se base sur les réactions des internautes. Voilà, donc je disais tantôt que quand on fait donc ça, la finalité donc c'est que ils prennent les ossements pour aller les vendre. Maintenant, qui sont les acheteurs? À qui profite le crime? Merci Zaza. À qui profite le crime? Quand ils prennent les ossements là, généralement, les tout premiers acheteurs, je vais vous surprendre, les tout premiers acheteurs de cette histoire-là, ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs qui sont les premiers acheteurs de cette histoire que j'ai pas envie de prononcer, j'ai pas envie de prononcer. Ce sont les Blancs. J'ai l'impression que c'est quand je prononce ça que on signale le direct. Ce sont les Blancs. Alors, les Blancs, qu'est-ce qu'ils en font? Un instant. Ok. Voilà, merci. Donc, les Blancs, qu'est-ce qu'ils en font? Je ne sais pas, vous allez me dire que... Vous allez me dire qu'il y a quelqu'un qui dit c'est justement pour ça que c'est moi personnellement et personne d'autre qui a acheté les vêtements de mon frère pour son enterrement. Ouais, Yolande, exactement. Je dis que faites attention, les commissions que vous donnez aux gens quand vous avez des obsèques, il y a des commissions qui sont très dangereuses. Le vêtement, par exemple, ça doit être un intime. Mais comme je vous dis, généralement, donc, ce sont des membres de la famille qui acceptent de l'argent des personnes qui sont de mauvaise foi pour faire le sale boulot et puis basta. Et ils se disent que bon, ça va, la personne est morte et puis voilà, faites genre ce que vous voulez. Nous, on a perdu déjà notre personne, on s'en fout. Alors que non, quand je vais vous donner les conséquences de ces actes-là, mais vous n'en reviendrez pas. Alors, je disais que les premiers acheteurs de cette histoire, ce sont les Blancs. Les Blancs, pour ceux qui ne savent pas, ils sont plus sorciers que nous. La magie blanche, attention, attention, il ne faut pas vous amuser avec ça. Dans les premiers acheteurs, et d'ailleurs les acheteurs les plus gros acheteurs, ce sont les Blancs. Après ça, tu as les gens de l'Afrique du Nord, les gens de l'Afrique de l'Ouest qui achètent ça. Natacha, je vais regarder mon Messenger après le direct. Donc, ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi sur Messenger. N'écrivez pas sur WhatsApp. Écrivez sur Messenger. Parce que le WhatsApp que vous voyez sur ma page, c'est mon service client. C'est le service client. Ce n'est pas moi qui réponds à ce WhatsApp. Donc, quand vous écrivez sur WhatsApp pensant que vous êtes en train de m'écrire, en fait, vous tombez sur mon service client. C'est vrai que ça me parviendra toujours puisque si un message est important, ils vont me le transférer. Mais ça ne tombe pas directement chez moi. Et pourtant, si vous écrivez sur Messenger, c'est directement moi qui lis. Donc, quand vous dites Messenger, là, respectez aussi les consignes. C'est très simple, en fait. Donc, je disais que il y a des gens de l'Afrique de l'Ouest, machin,
qui achète ça. Maintenant, le problème n'est même pas ce qui achète. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On utilise les ossements humains pour le pouvoir. On utilise les ossements humains pour faire le poison. On utilise les ossements humains pour faire le charme. On utilise les ossements humains pour faire... comment je vais dire ça? Je vais appeler ça comment? C'est comme le charme, mais ce n'est pas le charme. C'est un peu comme... vous voyez, quand quelqu'un a un truc, par exemple, un truc commercial, hein? Par exemple, une grosse fille, comme je n'ai pas envie de prononcer le nom, je ne veux pas que... On va dire une grosse firme alimentaire, par exemple, qui vend beaucoup ses produits dans le monde entier. Hein? Peut-être ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi, un truc alimentaire. Il y a toujours une grosse marque comme ça, là, qui est implantée dans le monde entier, qui fait des chiffres et tout. On utilise les ossements humains pour faire ça. Je ne sais pas comment je peux donner le nom en français. C'est un peu comme l'attirance, mais ce n'est pas l'attirance. L'attirance, ça attire plutôt les personnes pour l'amour et tout ça. Mais ce que je dis, ça veut dire que c'est comme, c'est un peu comme une domination. Merci Lucille. C'est un peu comme une domination. Oui. Maintenant, on utilise également les ossements, comme j'ai dit, pour tuer. Ça a beaucoup. Je dis que l'usine ou alors l'industrie qui se voit là, la popularité, on utilise ça pour ça également. Mais c'est pas vraiment la popularité puisqu'on parle du secteur commercial. Je sais pas comment expliquer ça. Vraiment, le mot qu'il faut donner à ça, ça m'échappe un peu. On utilise ça hautement dans la magie noire. Hautement, on utilise ça. Pour les dominations, les tueries et tout ça. Bref, l'usine qui se trouve derrière cette histoire, ou alors le business qui se trouve derrière cette histoire, est comme ça. Les portes que ça ouvre et que ça ferme, mais c'est terrible. Attendez, je vais lire le message de Léonie. Qui dit que ma vie en son. Je veux pas toucher le téléphone là parce que sinon ça peut bugger. Et quand ça bug, ça me déconcentre un peu. Voilà, donc je parlais même de quoi. Je disais que l'industrie qui se trouve derrière cette histoire, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour cela que ça rémunère. On utilise ça pour faire le pouvoir, pour donner le pouvoir. Ça donne, c'est-à-dire, vous savez, il y a toujours ce type de personnes tellement influentes, mais vous ne comprenez même pas. Je n'ai pas seulement envie de prononcer les noms avec you, pardon. Donc, on utilise ça pour le pouvoir, c'est beaucoup plus le pouvoir. C'est-à-dire, il y a un pouvoir exagéré là. L'aura, on fait l'aura avec ça aussi. Mm-hmm. Oui. Mais on fait des pratiques de ouf, vous ne pouvez même pas imaginer. De ouf. Donc, maintenant, quelles sont les retombées? C'est combien de jours après la mort qu'ils font ce travail d'exhumation? Normalement, l'exhumation, c'est quand la chair s'y est déjà finie, hein, et qu'il ne reste que les os. C'est à ce moment que l'exhumation est possible. On n'exhume pas quand la mort est fraîche, parce que la chair est encore là. On attend quand les termites vont venir manger toute la chair et tout, et qu'il ne va rester que les os. Et c'est là qu'on... C'est à ce moment qu'on exhume, en fait. Donc, maintenant, les retombées sur le défunt pour la famille, c'est quoi? C'est que quand on a utilisé des os à d'autres fins, toi, tu n'as, comment on dit, repose en paix, là, toi, tu n'as plus de repos, en fait. Ton repos n'est plus paisible. Il commence à devenir lourd. Il commence à devenir hyper... en fait, ton esprit, il commence à errer. Ton esprit commence à errer
Et puis toi, tu viens déranger les gens de ta famille parce que c'est comme si tu leur réclames quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont perdu des gens peut-être depuis des années, mais ils n'arrêtent pas de rêver d'eux. Ils n'arrêtent pas de vivre des choses sur eux parce que les morts, eux, ils reviennent en fait. Et quand ils reviennent parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en train de reposer en paix et donc ils ont soif de vengeance. Maintenant, ils se dirigent plutôt vers les leurs, c'est-à-dire vers leur famille et tout. Donc, je disais quoi? Bonjour, ceux qui viennent d'arriver. Donc, quand ils viennent, ils commencent à vous déranger. C'est comme ça que vous commencez à expérimenter que voilà, voilà. C'est différent de quelqu'un qu'on a vendu, hein? À ne pas confondre. Quelqu'un qu'on a vendu, c'est quelqu'un que lui, alors, oui, vraiment, ne prononcez aucun nom, s'il vous plaît. Vous voyez que même moi, je n'ai pas commis cette indélicatesse. Prononcez aucun nom. Même si vous avez des doutes sur quelque chose et tout, vraiment, restons dans le... Hein, on se comprend un peu. On se comprend un tout petit peu. Oui, Rose Jésus, tu as pleinement raison, s'il vous plaît. Donc, à ne pas confondre avec les cas des personnes qu'on a vendues. Parce que quand tu as vendu, en fait... On n'attend pas que les os soient machin, c'est le même jour, même pas le même, dès qu'on enterre, c'est là où on vient te récupérer. C'est pour cela que vous allez voir dans les villages Bassa, par exemple, et Buti, on garde le corps, on garde la tombe. C'est-à-dire quand on a enterré, tu as une commission de personnes qui sont désignées pour garder la tombe, c'est-à-dire pour dormir autour de la tombe pendant 3 jours. Tu en as qui font 3 jours, tu en as qui font 9 jours. Parce que après ce nombre de jours-là, les gens ne peuvent plus venir te prendre, venir te chercher pour faire ce travail, pour t'emmener. Je ne sais pas s'il y en a ici qui savent un peu, qui comprennent un peu ce que je veux dire, ou alors chez qui ça se passe. Il y en a qui savent de quoi je parle. J'aime quand je fais je dirais comme ça, vous interagissez avec moi. Ça me fait comprendre que je ne suis pas en train de parler seule et que je m'adresse à des gens qui m'écoutent. Donc, quand je pose une question comme ça, pour ceux qui ont un semblant de réponse, faites semblant de répondre quand même. Ça me permet de savoir que je ne parle pas seule. Ok, Télo. Voilà. Donc, je disais qu'il y a des tribus où on garde la tombe. Quand on a enterré quelqu'un, on garde la tombe pendant au moins 3. Tu as des cas où c'est 3 jours, tu as des cas où c'est 9 jours. Voilà. On garde la tombe. Et puis, voilà. Quand on garde comme ça, c'est pour que les gens qui viennent pour récupérer la personne ne viennent pas. Parce qu'après le nombre de jours, là, ils ne peuvent plus. Ça ne leur sert plus à rien. Ta personne peut reposer en paix. Mais combien de personnes savent ça alors? Combien de personnes savent ça? On est en train de parler du business de l'amour. Ça veut dire qu'on doit parler même du femme-là. On doit parler même du femme-là, des gens qu'on vend. Aussi. Non, on ne peut pas garder avec un travail spirituel comment. Non, on ne peut pas. Par contre, ce que les gens font, c'est que il y a des rituels qu'on fait sur le corps avant d'enterrer. Quand on fait ces rituels-là, on n'a plus besoin de garder la tombe. C'est bon, on a déjà scellé. Mais combien de... Puisque ce sont des initiés qui doivent faire ce travail.
et les initiés qui sont prêts. Ce n'est pas qu'on part ramasser les gens, vous venez dire que non, venez. C'est un travail que... On a, le travail de la mort, c'est pas pour n'importe qui. Hein. Il y a des personnes qui sont spirituelles, mais leur spiritualité ne leur permet pas encore de manipuler tout ce qui concerne la mort. Attention. Attention, c'est un autre domaine, c'est une autre dimension spirituelle. Vu que quand on vend quelqu'un, il y a toujours... Exactement, Stéphanie, oui, toujours. Toujours, toujours. Donc, maintenant, vous faites comment pour faire confiance? Parce qu'il y a des charlatans là qui vont venir vous faire... Quelqu'un vient, il fait son cinéma là, il fait son cinéma là, autour du corps et tout, alors qu'il n'a rien fait. Ça ne vaut même rien du tout. On vient récupérer les bêtises après et puis voilà. Donc, il faut déjà être sûr de l'initié que vous avez choisi, ou bien des initiés que vous avez choisi pour faire le travail le travail spirituel qu'il faut faire sur le truc. Attendez, je vais bloquer à la salle. Je ne peux même pas me fatiguer de vous bloquer, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un a dit que chez les Bamiléka, on ne connaît pas ça. Chez les Bamiléka, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Maintenant, on connaît ça chez les Bamiléka parce que les histoires de femmes-là et autres ont commencé là-bas. Maintenant, depuis qu'ils ont compris que leur mort, toutes les morts ne sont plus naturelles et que quelqu'un peut mourir et on vient le récupérer. Et que quelqu'un peut venir le récupérer. Les Bamiléka de maintenant ont commencé à faire ça. Je bloque Tokyo. Tokyo a fait quoi? Attendez, je vérifie les commentaires. Attendez, hein. Tokyo a fait quoi? Dites-moi. Non, chez les Bamiléka, on le garde. Je dis que garder le corps là, même c'était avant. Maintenant, il y a des rituels qu'on fait sur le corps pour empêcher que les gens ne viennent le récupérer. Maintenant, on procède par rituel. Ce n'est plus. On ne garde plus. Donc, c'est un peu ça, pour parler de tout ce qui est exhumation. Et maintenant, quand on exhume votre personne, généralement, la personne repose plus en paix. Et elle ne part pas s'attaquer à ceux qui ont pris son corps, ou bien ses os. Elle vient s'attaquer plutôt aux membres de sa famille, puisqu'elle estime que, je ne sais pas pourquoi, vous allez me demander pourquoi, mais il n'y a pas une explication à tout. Ce n'est pas tout qu'on explique. Voilà. Nous-mêmes, des ancêtres, on dit que... Moi-même, mes ancêtres, mes pères spirituels ont dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Vraiment, on ne peut pas entrer dans les détails. Pourquoi est-ce que la personne ne va pas s'attaquer à ceux qui ont vendu, mais la personne va plutôt s'attaquer à la famille? Je me dis que c'est parce que la personne estime que sa famille avait un droit de regard sur son reste, sur ses restes et tout. Donc, pourquoi n'avoir pas protégé, par exemple, le corps pour que les gens qui prennent les eaux ne viennent pas et tout ça. Bref, c'est la famille que la personne vient déranger. C'est pour ça que vous voyez les gens.
Il m'a demandé d'ouvrir mes jambes. Attendez, je bloque. Je bloque. Il s'appelle comment là? Tokyo Tama, je bloque. Voilà, c'est bon. Voilà, moi je ne pardonne pas. Oui, elle se dit que sa famille l'a abandonné et tout. En fait, c'est sa famille qui commence à subir les retombées. Les retombées, comme je vous ai dit, c'est que vous commencez à rêver de la personne. Il y a des choses étranges qui commencent à vous arriver, les blocages et tout ça. Parce qu'il y a un membre de votre famille qui est en train de... Et puis, vous savez que quand quelqu'un décède, hein, ce n'est plus votre personne. Hein. Ce n'est plus votre personne. Non. Est-ce possible d'exhumer un corps momifié? Alors, oui, bien sûr. Est-ce que la momification empêche quoi? La momification, ça ne touche pas les os, ça n'a rien à voir. On exhume, ça dépend maintenant de pour faire quoi. Si c'est pour les ossements, la momification, ça n'a aucune limitation, ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact, aucun impact en fait. Donc, c'est un peu ça. Il y a les malédictions que nous subissons dans les familles, les trucs comme ça, les faux coups, les faux problèmes, parce que notre personne qui est partie déjà n'est pas en paix et elle revient s'en prendre à nous, tout simplement. Je suis la seule à remarquer. Voilà. Oui, j'ai bloqué. Moi, je n'aime pas les personnes qui ne sont pas respectueuses. Je n'ai même pas lu le commentaire en question. Mais les blancs font ça tout le temps. Oui, les blancs le font. Les blancs le font, je l'ai dit au départ. Maintenant, très peu le font. Il y en a qui le font pour des raisons scientifiques. Mais maintenant, même pour faire ça. Vous savez ce que c'est que de toucher un ossement humain? Je dis toucher seulement, toucher. Je ne parle pas de manipuler ou bien. Je dis toucher seulement. Mais ça demande une sorte d'énergie spirituelle. Mais vous ne pouvez même pas laisser tomber. Oh Jésus, si c'est possible d'exhumer. Maintenant, ça dépend. Si c'est pour les ossements, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, en fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on perd un membre de notre famille, les gens, les membres de la famille s'entourent d'une certaine sécurité. D'abord en ville, pendant les obsèques, qui va laver, qui va habiller, qui va faire comme ça, qui va choisir l'habit, qui va acheter le cercueil, tout ça. Maintenant, au village, là-bas, qui va garder, qui va sécuriser, qui va... Parce qu'on est déjà, on a déjà compris comment les gens font, comment les sorciers opèrent, comment ces gens-là travaillent. Et après, les retombées sont sur nous. Maintenant, pour le cas du monsieur. Le monsieur, lui, je suppose, hein, parce que j'ai même arrêté toute communication avec lui, qu'il n'a pas été initié pour faire ce travail. Maintenant, quand tu n'as pas été initié pour faire ce travail, comme j'ai dit, tu disais tantôt, mais tu vas tout droit dans l'abîme, c'est-à-dire tu te casse la gueule à un niveau, mais de ouf quoi en fait. C'est-à-dire que lui n'a pas été initié. Les initiés, généralement, l'avantage d'être initié pour faire ce travail-là, c'est que lorsqu'ils vont pour faire les incantations et qu'ils sont devant un corps qui est compliqué, ils le savent. Du coup, ils évitent. Ils vont ailleurs. Par contre, toi qui n'as pas reçu une initiation particulière pour faire ça, n'est-ce pas que tu vas y aller comme ça par hasard et puis bon, voilà, 1, 2, 3, 4, bon, je vais taire et puis bof. Maintenant, tu tombes sur le, hein, tu tombes alors sur le grand frère, comme lui, il est maintenant tombé là et puis voilà, il est coincé, hein, il est coincé. Et je vous dis, généralement, quand un cas, quand une situation comme ça par là se pose, il va voir la grand-mère là pendant le temps où elle voudra. Et après, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il commence à pourrir. C'est-à-dire qu'elle vient, en fait pour le tuer. Mais elle ne veut pas que sa mort soit facile. C'est-à-dire que sa mort soit genre, il dormait, il ne s'est plus réveillé. Non. Elle veut qu'il respire.
transpire la mort, qu'il transpire la mort, qu'il vive la mort, c'est-à-dire que dans sa chair, mais au plus profond de lui. Donc généralement, elle fait ça, il va coucher avec comme ça et tout, après, il va commencer à pourrir de l'intérieur et à pourrir de l'extérieur jusqu'à prendre la... Je ramasse ça, parce qu'il a touché à la mauvaise personne, c'est comme ça. Et le sorcier est sorcier jusqu'à l'au-delà. Non, aucune issue. Non, enfin, il y a des issues. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est que, généralement, il y a des rituels qui se font pour appeler l'esprit de la femme. Maintenant, lui parler et l'apaiser, ensuite l'écarter. C'est-à-dire créer comme un pont entre son esprit et le monsieur pour qu'il n'y ait plus de communication. Mais ça passe par tout un rituel. Maintenant, combien de personnes peuvent faire ça? Mon père spirituel, par exemple, le fait. Donc, il n'a pas eu tort de rêver. Attendez, je vais bloquer. Je vais bloquer Camille Oyono. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un degré d'initiation qui te permet de faire ce genre de travail. Comme je vous ai dit tantôt, tu as des spirituels qui sont spirituels, oui, mais leur spiritualité ne leur permet pas encore de manœuvrer avec tout ce qui concerne la mort. Parce que tout ce qui concerne la mort, c'est une autre initiation. Ça n'a rien à voir avec l'initiation à la spiritualité, tout simplement. C'est deux choses. Donc, c'est pour cela qu'on dit que parmi les initiés, il y a les initiés. Bon. Je ne sais pas si on se comprend. Moi, je ne le fais pas. Mon père spirituel, si. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande que pourquoi il a dit que tu pouvais l'aider gens, ou bien c'est qui l'a vu en rêve. Il a dit qu'il a rêvé de sa maman. Il a rêvé que sa maman est venue lui dire en rêve. Ça n'a rien de magique. Hein? Ça s'appelle une révélation. On a tous, à un moment donné, eu une révélation dans notre vie. Ça veut dire qu'une question qu'on se posait, et on a eu la réponse en songe. On a tous, généralement, eu ça. Pardon, si tu n'as pas encore eu ça, ça veut dire que soit tu oublies tes rêves, ou soit tu n'es pas lucide quand tu rêves. Ça nous est déjà arrivé. Si vous êtes connecté là et vous avez déjà eu ce phénomène-là, ça veut dire que tu te poses des questions, tu es peut-être face à un dilemme, tu es peut-être... Ça peut-être un problème. Loulou? Ok. C'est bon. J'avais dit qu'il a ouvert la porte. Ça va? Donc, je disais que... je parlais de quoi avant d'être désorienté là. Je parlais de quoi? Je disais que... voilà, je disais qu'il y a forcément quelqu'un parmi nous là, parmi vous. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez une préoccupation. Vous avez une situation que vous êtes en train de vivre. Vous avez un problème. C'est pas un truc que vous êtes en train de traverser, un événement assez difficile, et vous vous posez des questions. Et dans les rêves, vous avez la réponse à votre question. Réfléchissez bien. Quelqu'un va me dire ici qu'il a déjà eu ce phénomène-là. Ça arrive à tout le monde. Quand on dit que Dieu, là, Dieu ne parle pas aux gens par...
Jean, il va te parler comme ça, comme si tu es sa copine ou bien son copain. Non. Dieu parle aux gens à travers les songes. La Bible le dit, les songes. Alors, quand on dit que Dieu te parle à travers les songes, c'est quoi? Dieu peut prendre le visage de quelqu'un. Ou bien, il peut faire une scène, il peut faire une mise en scène. Et ça se transforme. Toi, tu vois ça comme un rêve. C'est-à-dire, je suis en train de rêver d'une histoire qui ressemble à ton histoire dans la vraie vie. Et l'histoire-là est en train de se passer de manière à ce qu'il y ait une suite, une continuité. Alors que dans la vraie vie, toi, tu t'es arrêté quelque part et tu es en train d'attendre des résultats, une solution, tu es en train d'attendre ce que tu vas faire. Et maintenant, tu rêves de la même situation et tu rêves de la suite. Et tu rêves de la suite, en fait. C'est Dieu qui est en train de te passer un message. Parfois, c'est Dieu, parfois, sont tes ancêtres. Et puis, voilà. Bref, tu as des gens, toujours quelqu'un a reçu un message dans les rêves. Ça n'a rien de... Attendez, je bloque le marabout, là. Ça n'a rien de mystique. Moi, j'ai fait un OM. Attendez, je bloque le bijou, là. Moi, je déteste les gens qui viennent jouer ici, là. Je bloque le bijou. Le bijou, voilà, je bloque. Maintenant, je bloque le marabout Adima Traoré, là. Je bloque. Voilà. Alors, je disais que... Voilà. Alors, je disais que rêver d'une situation ou d'une réponse, c'est tellement, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une connexion spirituelle, pour quelqu'un qui a une certaine connexion spirituelle, c'est trop facile. C'est trop facile. Et maintenant, même si tu n'as pas de connexion spirituelle, Dieu peut vouloir te faire passer un message par le songe. Voilà, il y a Charlie et Dimo qui dit, j'ai déjà eu ça, mais je fais appel à mes ancêtres, ils me répondent. Exactement. C'est-à-dire, quand tu as une connexion spirituelle, tu poses une question. C'est un peu comme la suce du verre d'eau. Voilà. Regardez simplement la suce du verre d'eau. Quand on fait la suce du verre d'eau, on pose une question, n'est-ce pas, au verre. On pose une question sur un événement, sur un truc qu'on est en train de vivre et tout, on pose la question et quand on dort, on a la réponse. Est-ce que c'est magique? C'est pas magique, c'est spirituel. Donc, le monsieur peut clairement rêver de sa maman. Bon, dans le rêve, il a vu sa mère, mais là, on ne sait pas si ça peut être sa mère. On sait bien que, vous savez bien que dans le rêve, les gens peuvent prendre les visages et tout d'autres personnes. Hein? Comme ça peut être sa véritable maman, comme ça peut être quelqu'un, un esprit qui a voulu lui donner, lui passer une information en passant par son songe. Donc, le songe, c'est le rêve. Ceux qui ne savent pas ce que signifie songe, songe, ça veut dire rêve. Donc, il lui rêve donc de sa maman qui vient lui dire que pour son cas, ça veut dire que sa maman voit par exemple, pas sa vraie mère, hein. On ne sait pas si c'est sa vraie mère ou pas, mais je veux dire, le but de l'esprit qui lui transmet le message, c'est quoi? Tu as une préoccupation, tu as un problème qui te dérange. Tu es persécuté par telle ou telle chose, tel ou tel acte que tu as commis. Tu es allé déjà voir telle ou telle personne sans résultat, sans suite. Va voir telle personne parce que là-bas, tu auras ta solution. Ça arrive constamment. Ça arrive constamment. Il y a des gens qui ont des rêves prémonitoires ici. C'est-à-dire que tu rêves d'une situation qui ne s'est pas encore passée. Et quand tu as rêvé de ça, ça se réalise. Je vais bloquer Bintou. Tu peux mettre le volume hein, si tu veux. Je vais bloquer Bintou. Pas trop. Baisse un peu. Oui. Je vais bloquer Bintou Marabou. Voilà, on va les bloquer au fur et à mesure. Donc, je disais tantôt que tu dors et dans ton rêve, on vient te donner la réponse à ton problème. On vient te donner la réponse à ton problème et puis c'est terminé là. Et puis c'est terminé. Non, j'ai bloqué le marabout qu'il y avait. Donc, pour celle qui a demandé, ça n'a rien de sorcier, de rêver, et que voilà, enfin, ça n'a rien à voir avec moi. Bon, maintenant, la personne qui est venue lui donner l'information dans le rêve, ça peut être un de ses ancêtres, ça peut être sa maman, ça peut être n'importe qui.
Et la personne lui a donné une information erronée parce qu'effectivement, mon père spirituel, lui, il cause avec les esprits. Moi, je ne peux que les voir, mais je ne discute pas avec. Je ne peux que les voir. Mais maintenant, la personne qui est au-dessus de moi, lui, cause avec, en fait. Donc, quand on dit causer, il y a un travail pour son cas, là. Le travail, c'est, comme je vous ai dit, appeler l'esprit de la femme, discuter avec, apaiser, maintenant écarter, créer un pont, une sorte de pont sur le geste, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de passage entre elle et le monsieur. Maintenant, qui va faire ça? Qui va faire ça? Généralement, c'est des cas qu'on fait pour les personnes innocentes. Pour les personnes. Je vous explique, je vais vous raconter par exemple une histoire. J'avais un de mes fils à Douala qui a été victime de. Enfin, qui était portier. Hein, portier, gros bras. Il était gros bras. Comme on dit souvent. Les gens. Enfin, lui, il était à une cérémonie. Il y avait une grande cérémonie dans son quartier où il était chargé de la sécurité. Il était parmi les gens qui étaient chargés de la sécurité. Donc, il était à la porte. Une cérémonie qui devait. Non, je n'ai pas le temps de vérifier Lucie. Si il réécrit, je vais voir. C'est-à-dire que lui, il était à la porte, il laissait entrer les gens. Il était son bref, il s'assurait, il s'occupait de la sécurité. Il n'était pas seul, il travaillait avec 3 autres personnes. Donc, il y a une dame qui entre. Elle était tellement belle. C'est une histoire réelle que je vous raconte. Il y a 2 ans. Elle était tellement belle. Putain, belle. Elle entre. Comme dans toute fête, il y a toujours de très belles femmes. Lui, la fille, quand elle danse là-bas dans la salle, elle ne fait que lui lancer des regards. Attendez, je bloque le marabout Rachid là. Donc, elle ne fait que lancer les yeux doux, elle ne fait que lancer les yeux doux et tout, au gars, machin, machin. Et bon, il y a des hommes qui sont faibles d'esprit, et puis voilà, il se lève. La fille vient, quand la fille repasse à côté de lui, il décide de lui parler, puisqu'il s'est dit que la fille est visiblement intéressée par lui. Il décide de parler à la fille, il parle à la fille, et ensuite. Il va avec la fille, il propose à la fille, il pâte Nias, non. Quand il revient, il continue son service. Son collègue lui demande que, mais bro, tu étais où? Non, bro, ah, moi j'étais à côté là, je suis parti, il y avait une petite là, je suis parti d'abord casser un peu le truc. Son collègue lui demande que, mais attends, quelle petite? Il lui dit que, mais la belle fille qui était habillée comme ça, comme ça, comme ça. Son collègue dit que toi, s'il y avait les femmes, tu même pas 5 minutes, tu connais une femme, tu parles là. Il dit que ah non, Moula, c'est que si elle ne tuait pas ça aujourd'hui, non, je ne suis pas sûr que j'allais encore avoir l'occasion là un jour. Son collègue lui dit. Après une heure de temps, le gars est épuisé. Il est épuisé. Il est mal. Il est mal en fait. Il est mal. Son collègue lui dit que ouais, papa, c'est comment? Pourquoi tu m'as l'air? Pourquoi tu m'as l'air. C'est comme si tu perds tes forces, comme si tu perds tes énergies. Tu m'as l'air très épuisé là. Mon fils, elle lui dit non, ça va, il n'y a rien. Après, son collègue voit dont la même fille entrer dans la salle. Revenir, c'est-à-dire, la même fille revient là où il y a la dent de lui, au lieu de la fête, avec un autre monsieur. Elle est accompagnée d'un autre monsieur cette fois-ci. Son collègue lui demande que, mais attends. Moula, ce n'est pas la fille que tu me disais, ce n'est pas elle. Le gars regarde et dit que non, ce n'est pas elle. Il ne voulait pas montrer la fille. Il dit que non, ce n'est pas elle. Comme la fille est revenue avec un autre monsieur, il a eu honte que son ami devait lui dire que mais comment tu viens de binda une fille, elle revient avec un autre gars. Il dit non, ce n'est pas elle. Son collègue lui redemande encore que mais attends, mais tu m'as décrit la manière dont tu sais, elle, il n'y avait que elle qui était masquée, habillée comme ça et tout. Il dit que non, c'est une ressemblance, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. C'est comme ça que son collègue aussi n'insiste pas, non, il laisse. Le gars finit, après 2 jours, tombe malade. Il tombe malade.
premier jour, parce qu'il a fait exactement 3 jours de maladie. Premier jour, deuxième jour, c'est chaud. Troisième jour, il demande à ce qu'on m'appelle. Quand on m'appelle, moi je viens. Il était carrément déjà en agonie. Hein. C'est là, il demande qu'on m'appelle urgentement, qu'il faut que je vienne. Je démarre ma voiture, j'arrive là où il était à son chevet. C'est là où il me raconte dans l'histoire. Il me dit que voilà, il a eu un contrat, il devait garder à tel endroit et tout, voilà ce qui s'est passé. Il a vu une femme et tout, il est allé, voilà, après, son collègue lui a même dit qu'il a même nié machin et tout, et que apparemment la femme là serait une sirène. Quand je dis une sirène, une déesse, si vous voulez, une sirène, voilà, une fée. On se comprend, ce que vous appelez vulgairement Mami Wata. Donc, la femme là, il est en train de la voir, elle est en train de lui dire que c'est bon, sa place est déjà réservée et tout, donc il sait qu'il va mourir, mais il fallait bien qu'il raconte l'histoire à quelqu'un et il a voulu que ce soit moi pour que je puisse savoir si je peux faire quelque chose pour lui. Je lui ai dit, ouais, papa. Depuis là, pourquoi c'est seulement maintenant que tu racontes ça? Et puis toi-même, tu vois une femme, tu pars déjà au lit avec elle. Même pas 20 minutes de rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment? Je n'ai pas fini de parler comme ça là. Il entre dans le coma. Quand il entre dans le coma, 2 heures après, il n'a même pas fait 2 heures de coma, il est décédé. On a fait les procédures, sa famille, machin, on a fait le deuil. Sa famille a amené, on a pas enterré. Quand on enterre, non, Télo, ce n'est pas une chance parce que c'était trop tard. C'était trop tard, il n'y avait rien à faire. Il en avait à manger jusqu'à, c'était même plus bon. Quand on va donc enterrer, on enterre. Après, les gens de... Nous, on enterre, on finit, on jette mon enterrement, après, on nous rentre. Les gens de sa famille ne font que appeler ici à Douala. Ça commence à chuchoter que, mais attends, venez récupérer le corps que vous avez enterré ici. C'est comment? On ne dort pas. Donc, les gens de la famille là, ne dormaient pas, puisqu'on a enterré dans la construction familiale. Vers 19h, seulement comme ça, là, ce sont les pleurs que vous voulez entendre. On entend seulement comment ils pleurent. Et ils pleurent dans la maison. Les gens de la maison ne dormaient pas. Les gens de la maison et les voisins ne dormaient pas parce que quand ils commencent à pleurer là, ils pleurent jusqu'au matin. Toute la nuit, c'est des gens, on vous est touché là, vous écoutez seulement comment les... Et vous écoutez sa voix, ils pleurent. Ils pleurent, alors qu'il n'est même pas censé. Je dis que c'est comme les larmes, comme si quelqu'un te pleurait à côté de toi, alors que tu ne le vois pas en fait. Donc ils pleurent. C'est la sorcellerie. On appelle donc les initiés. C'est-à-dire, on nous appelle. Mais c'est quand ils disent nous, c'est pas que c'est moi qui suis devant. Parce que moi, j'ai des supérieurs spirituels. On appelle les initiés. Quand on vient, donc, on fait le travail. C'est là où les initiés disent qu'ils pleurent comme ça parce qu'on est en train de le traiter là où il se trouve. On est en train de le traiter en vrai. On le tape comme un enfant. C'est pour ça qu'il pleure. Donc voilà, maintenant il était question de rompre le contact, le lien. Et il fallait faire ça avec un membre de la famille direct, le sang. On a donc pris sa maman, puisque sa maman était encore en vie. On a donc pris sa mère. Quand on a fait le rituel, sa maman vient parler. Sa maman vient lui dire que je ne vais pas donner son prénom ici parce qu'il y a des membres de sa famille qui sont abonnés sur cette page certainement et qui vont peut-être reconnaître l'histoire, qui me connaissent bien sûr, donc je n'ai pas envie qu'ils pensent que je suis en train d'exposer une histoire familiale. Donc on prononce le nom, je vais prendre un nom au hasard, hein. Je vais peut-être dire Jean, on dit peut-être Jean, la maman dit peut-être que Jean, non, c'est, ça va, tu es déjà mort, on n'est plus dans le même monde, repose en paix et tu nous laisses aussi vivre en paix. Ne viens plus, on ne veut plus que tu viennes, ne viens plus, n'aie plus de contact, il faut plus que tu aies le contact avec nous. Reste tranquille là où tu es là-bas, tu dois reposer en paix, ne viens plus, machin. Quand elle parle donc comme ça là, on coupe donc le pont, on coupe le lien spirituellement, on coupe le lien pour éviter toute communication, puisque c'est réellement deux mondes. Il y a l'au-delà et le monde que nous vivons, le monde qui est physique, ce monde-ci. Et maintenant, il y a le monde spirituel, il y a l'au-delà.
Donc normalement, il ne devrait même pas, il n'y a pas de communication possible. Il ne devrait pas en tout cas avoir communication possible entre les deux mondes. Donc quand la communication est déjà possible, c'est un travail, un rituel qu'il faut faire. Attendez, je vais bloquer le cabot et le marabout là. Voilà. Donc, quand on fait comme ça là, on scelle. Plus jamais la personne ne peut revenir encore. Plus jamais. Parce qu'on a déjà brisé le lien, on a créé comme un pont entre les deux mondes. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Même en songe, il ne peut plus revenir. Même en songe. Alors, quand c'est. Nous, on fait donc ce genre de travail là. Pour entrer en contact avec les... Parce que nous, quand on fait ça, on appelle l'esprit de la personne. On discute. Et c'est quand on appelle l'esprit de la personne que la personne peut nous raconter. Donc, quand on a appelé l'esprit, c'est là où il nous a dit ce qu'il vivait. Il nous a dit que voilà, là où il est là même. Voilà, voilà, voilà. On est en train de le taper seulement. On le tape seulement de partout et tout. Ouais, c'est super. On regarde ça. Donc, quand on appelle comme ça, il finit de nous dire, bon, nous, on fait le travail et puis c'est bon. Maintenant, nous, on ne peut faire ça que pour des bonnes causes, comme je vous ai dit. Nous, on n'utilise pas notre pouvoir ou alors notre don à des fins, pour des mauvaises choses ou alors pour des choses qui ne vont pas, qui ne profitent pas. Non. Voilà un cas comme ça où c'est un jeune qui a été trompé, voilà, il a vu les fesses, il est parti. Attendez, grâce à Dieu, je bloque le marabout. Oh là là, les marabouts, là, qu'est-ce qu'on peut faire de... Donc maintenant, quand quelqu'un comme celui qui nous a écrit ce soir, lui, il est parti lui-même chercher ses problèmes. Lui-même, il est parti chercher, c'est pas que... Il savait que c'est comme ça. Il est parti chercher. Et quand il vient nous écrire même, ce n'est pas pour que on essaye même de le sortir de là, de l'arracher de ce monde-là. Non, c'est que il veut seulement qu'on coupe l'esprit de la femme-là, que la femme-là ne vienne plus à lui. Et qu'il continue sa sale besogne. Mais non, moi, on ne fait pas ça, en fait. Moi, je ne fais pas ce travail-là. Je ne fais pas ça. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je fais le travail pour réparer, pour restaurer. Pas pour gâter. Je ne gâte pas. Je n'encourage pas. Je ne gâte pas. Non. Je ne gâte pas. Je n'encourage pas. J'arrange seulement. J'arrange seulement ce qui est mauvais, je répare. C'est comme ça. Parce que vous savez, le travail que nous faisons, hein, il y a beaucoup de gens qui mélangent. Qui mélangent. Ça veut dire que qui utilisent leur pouvoir pour faire des choses pas très catholiques. Qui utilisent leur pouvoir pour faire des choses pas très catholiques. Et. Par la suite, immédiatement, ils deviennent vulnérables. Non seulement tu perds tes pouvoirs, parce que normalement, quand on te donne les pouvoirs, on te les donne gratuitement. Et normalement, tu dois pouvoir aussi aider les gens gratuitement. Maintenant, comme moi, quand vous voyez, moi, je ne fais pas la main. Quand je consultais, parce que je ne consulte plus, quand je consultais, ma consultation était gratuite. Les seules choses que les gens achetaient, c'était par exemple les produits, vu que les produits également... viennent d'autres pays. Les produits que nous, avec lesquels nous travaillons, tu en as qui sont locaux, tu en as qui viennent de l'Inde, tu en as qui viennent du Bénin, tu en as qui viennent du Nigeria. Voilà les trois pays avec lesquels on travaille. Alors quand les produits arrivent, on paye le transport, on paye la douane et tout ça. Donc ça génère forcément des frais et les produits ils ne sont pas envoyés gratuitement aussi. Nous, on se les procure. Donc, il n'y a que ça que quelqu'un peut acheter. Sinon, consultation, machin, c'est gratuit. Moi, j'écoute les gens, si je peux te conseiller, je te conseille. Il y a des gens même qui veulent venir prendre les kits. Je leur dis, non, quand je regarde, je vois que ton problème, ce n'est pas le kit. Ton problème, c'est la prière, prie simplement. Je leur dis que non, quand tu viens, tu me poses ton problème, je fais la vision, je regarde, je dis que non. On est en train de me dire que ton problème, c'est toi-même. Change tel comportement, telle chose que tu as fait là. Ne fais plus, va réparer ça. Tu vas voir, tes portes vont s'ouvrir. Quand on me dit comme ça, moi aussi, je te dis aussi. Et puis, ça va.
Maintenant, quand ton problème est délicat et que ça nécessite un truc, c'est là où maintenant tu peux te retrouver en train d'acheter un truc, simplement. Simplement. Donc, à ne pas confondre, j'ai voulu faire ce direct aujourd'hui pour essayer de sensibiliser en ce qui concerne le domaine de la mort. Parce que il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes en ce qui concerne voilà tout ça. Hein? On va faire des directs progressifs comme je vous ai dit, mais généralement maintenant nos directs vont se faire dans la nuit. Je vais m'arranger à ce que les directs se fassent dans la nuit pour que on soit sûr qu'on est entre nous les adultes, parce qu'en journée on a ce problème là, c'est qu'on est mélangé, et quand on est mélangé ce n'est pas bon. Dans la nuit on est sûr qu'on est entre nous, soit sorciers, soit spirituels, soit les enfants de Dieu, parce que ça c'est les heures où les sorciers sont éveillés, les enfants de Dieu sont éveillés pour prier, parce que ce sont les heures de combat, et puis voilà. C'est mieux la nuit. Donc, ceux qui sont les couches tôt là, alors vous allez regarder le direct en différé en journée. Mais c'est souvent mieux de regarder le direct pendant qu'il est diffusé. Parce que vous pouvez avoir la rubrique si des questions. Comme je vais laisser là maintenant 10 minutes pour les questions. Je vais répondre aux questions pendant 10 ou 15 minutes avant de couper le direct. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Il fallait que je vous explique un peu comment, qu'est-ce que c'est, parce que j'ai vu beaucoup de questions sur l'exhumation. Il fallait que je fasse un direct pour expliquer ça. Alors, j'ai mon frère qui est entré dans la Rose Croix pour vouloir s'initier. Je suppose que je voulais dire qu'on l'a trompé. Présentement, il souffre jusqu'à... Il se gratte avec le couteau. Il crache partout. Alors, on l'a trompé comment? Patricia Conan, je bloque. Alors, on l'a trompé comment? Quand vous racontez une histoire, donnez tous les détails. On ne peut pas tromper quelqu'un qui, en voulant l'initier. Non, il est entré... Pourquoi d'abord? Les longs yeux. Maintenant, le problème, c'est lequel? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux l'aider pour couper le lien, ma soeur? On a déjà souffert pour l'aider, mais rien. Explique-moi déjà clairement ce qui s'est passé en détail. Mais j'ai les clients à bloquer ce soir. Hein. Ça, c'est super, ça. Ivana, lors de la consultation, tu fais la voix de la vision. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas voyante. Vraiment. Si vous voulez la voyance, allez chez les marabouts. Moi, je ne suis pas voyante. Par contre, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un est en face de moi, il pourrait arriver que je reçoive des révélations sur la personne. C'est ça que j'appelle la vision. Ça dit que je peux avoir une vision sur la personne pendant que la personne est en face de moi. Et je lui dis clairement ce qu'on est en train de me dire. Comme tu peux être assise en face de moi, les esprits me disent clairement ta vie. Et comme ils sont en train de parler là, c'est comme ça que je répète aussi. C'est-à-dire qu'on me dit que voilà, voilà, Lucie, que tu vois là, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a tel problème. C'est comme ça que je te dis aussi que comme tu as assise là, voilà. Mais comme tu peux aussi entrer, on ne me révèle rien sur toi. Et là, tu dois me poser ton problème. Et quand tu me poses ton problème, on me dit directement ce qu'il faut que tu fasses. Et je te dis aussi ce qu'il faut que tu fasses. Mais dès que tu vas venir me voir pour la vision, non, je ne suis pas voyante. Donc, je ne sais pas si je t'ai répondu, Lucie, en fait. Donc, je suis une voyante occasionnelle, si on peut dire ça comme ça. Comment deux marabouts peuvent publier au même moment? Ouais, Seigneur Jésus. Voilà, donc exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vais couper. Moi, quand je coupe comme ça, je continue mes prières. Hein. J'ai des prières, les prières des gens que je fais et je dois préparer le travail des initiés. Il y a le travail des, il y a trois travaux des initiés, trois personnes qui sont concernées par le travail des initiés pour le retour d'affection. Et quand on fait ça, je prépare tout pour que
pour remettre les dossiers complets. Attends-moi, j'aimerais juste répondre sur Messenger. Ok, je vais te répondre sur Messenger. Au début, il suivait la radio qui parlait des choses mystiques et après, il est entré en contact avec eux. Et il dit qu'il voulait s'initier. Le siège de ces gens-là est à quoi? Oui, et qu'est-ce qui s'est donc passé après? Oui, je consulte sur le virtuel Nguanfong. Je consulte sur le virtuel. Alors, question. Y a-t-il des échelons à l'initiation? Bien sûr, il y a des échelons. Et comment faire pour être spirituellement éveillé et connaître les sphères spirituelles? Ma chérie, c'est comme à l'école maternelle, cycle, préparatoire, c'est ainsi de suite. Tu commences au plus bas niveau. Au plus bas niveau, tu fais des recherches et c'est ça le cerveau parce que tu dois obtenir un certain nombre de choses, mais tu peux même pas imaginer. Tu dois maîtriser et tu dois avoir le courage. C'est un tas d'initiations à la spiritualité, mais je vous ai dit que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Hein. Je ne peux jamais regretter. J'ai lu le commentaire d'une tout à l'heure là qui dit que une belle femme comme toi qui est marabout. Déjà, qui vous a dit que je suis marabout? Je ne suis pas marabout moi. Moi, je suis au-dessus des marabouts. Le marabout, c'est qui? Le marabout, c'est un charlatan, un menteur, c'est un feignant. Le marabout, mais c'est un bête. Pour être marabout, il faut être con, en fait. Moi, je ne suis pas marabout. Je suis la personne qui fournit même les pouvoirs au marabout. Moi, je ne suis pas marabout, moi. Je suis spirituelle. Et c'est la plus belle chose qui peut m'arriver dans la vie. Quand je vous dis ça, mais vraiment, je le dis du fond du cœur. Parce qu'on est spirituel, on s'évite beaucoup de choses. On acquiert beaucoup de choses, on évite beaucoup de choses, on perçoit beaucoup de choses, on rejette beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses. On est avisé, on est privilégié quand on est spirituel. Oui, on peut avoir un esprit faible, mais pendant qu'on est en train de développer sa spiritualité, l'esprit devient fort. L'esprit devient fort. Attendez, il a brûlé tous les livres que les gens... Je ne comprends pas hein, ton histoire. Tu vas m'écrire inbox, hein, Walter. Tu vas m'écrire inbox pour que je te cerne mieux. Vous êtes souvent attaqué par les esprits, bien sûr, constamment. Je suis constamment attaqué, moi, constamment, juste que j'ai un esprit qui est très fort. Je suis constamment attaqué, surtout quand je pose les histoires des gens. Ou bien quand j'essaye de les aider constamment. Ivana, j'ai des songes. Je suppose que c'est songes que je voulais écrire. Des choses pas encore. Hein? J'ai des songes, des choses pas encore. Je comprends pas. Hein? Rose Jésus, je comprends pas ta question. Il y a des manquants de mots. J'ai mon frère qui a perdu son boulot. Depuis 3 ans, il a vu entrer dans la secte de son patron. Et depuis là, il souffre. Il a revoir. Dans le boulot, il veut le voir comme sa fille souffre normalement avec sa grande soeur et les enfants. Alors qu'il me contacte tout simplement. Je ne parle pas de spiritualité par personne interposée, non. Alors, les gens qui font le retour d'affection là, c'est pas égoïste, vu que la personne concernée ne décide de rien, tu te lèves le matin, la personne revient, bam. Bonne question, mais non, c'est pas égoïste. Et puis dans la vie, on est toujours quelque peu égoïste. Hein? Le fait que tu te lèves le matin et que tu penses d'abord à ce que tu vas manger avant de penser qu'il y a un enfant orphelin dans le monde, ça veut dire que tu es déjà quelque part égoïste. La bonne charité commence par soi-même. Et puis à partir du moment où il y a l'hypothèse,
de que la séparation puisse ne pas être naturelle, le travail des initiés entre en jeu, le retour d'affection entre en jeu. Donc quand nous on fait le retour d'affection à la base, c'est parce qu'on se dit qu'il y a une marge de ce que la séparation puisse ne pas être naturelle. Quand la séparation n'est pas naturelle, alors il faut bien avoir un recours aussi qui n'est pas naturel pour remédier à la chose. Parce que tu vas rester là, dire que bon voilà, tiens, si c'est mon gars, et comme vous aimez tout dire, si c'est mon homme, il va revenir, machin, machin, gnoc, gnoc. C'est ton homme et qu'on l'a pris par des voies qui ne sont pas naturelles. Ma chérie, il reviendra, ngang. Voilà, donc il faut faire le travail de retour d'affection. Est-ce qu'il faudrait les prérequis, des préacquis pour être spirituel, suivi lesquels la foi. Il faut être d'abord un homme de prière ou une femme de prière. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie d'abord à la base, tu ne peux pas, tu ne peux jamais être spirituel. Ça commence par la prière. Tu dois d'abord avoir, ça dit que les petits prérequis là. Alors je lis au fur et à mesure. Hein. Est-ce qu'il faut. Ah non. Bonjour Armel. Merci. Par la prière, ma chérie, tu protèges ton don par la prière. Et il y a des astuces que tu devras faire parce que même si, même dans les rêves, on peut te prendre, même dans ces mêmes rêves-là, on peut te récupérer ton don. Mais c'est surtout la prière qui console. Qui rend ça. Aurélien, je ne réponds pas sur WhatsApp. Tu peux m'écrire sur Messenger. Tu peux m'écrire sur le Messenger. Alors un petit instant pub hein, pour ceux qui ont envie mon teint, ma teinte, moi je suis la gamme teint métisse de Black Rose. Teint métisse de Black Rose. C'est la meilleure gamme. Hein. Ma gamme de produits de beauté, c'est une gamme, comme je dis toujours, Efferalgan. Quand tu utilises mes produits, ma gamme. Ce n'est pas l'été, on va te dire que oh, après 2 mois, oh, après 6 mois, oh, ça dépend du type de peau, gnoc, gnoc, gnoc. Ça agit là, 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 là. Donc, quand tu mets ma gamme aujourd'hui, demain matin, tu te réveilles, ta peau a changé. Tu mets encore demain soir, après demain matin, ta peau a changé. J'allais tous les jours, tu passes d'une teinte à une autre. Tous les jours, tu fais un grand pas vers le jambon. C'est comme ça que mes produits sont. Donc, différent de... Non, ne m'appelle pas, il faut m'écrire. Donc, ceux qui sont intéressés par mes produits, c'est à Douala et à Yaoundé. Le numéro est sur la page. Je bloque les marabouts. Hein. Donc, c'est pas le genre... On a le genre ensemble que si tu as une fête demain... Tu veux briller, là, là, là. Tu mets ça demain, tu brilles. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu utilises mes produits aujourd'hui pour un événement que tu as peut-être dans 2 jours. Tu utilises aujourd'hui, tu utilises demain, le jour de l'événement. Tu es shine, shine. Je les bloque hein, au fur et à mesure. Je bloque les marabouts, ne vous inquiétez pas. Quel est ton compte Facebook? Mais ce compte-ci, là où tu es en train d'écouter le direct, c'est un compte Facebook, non, c'est une page. Tu vas écrire sur le Messenger de la page. Donc, voilà quoi. Les amoureuses des produits de la peau, les amoureuses du genre, voilà, voilà ce qu'il vous faut, hein, tout simplement. Non, je suis pas marabout qu'il a Roger 500, je suis pas marabout.
Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser dormir. Hein. On va se reparler demain. Alors, je reçois sur Yaoundé, comme j'ai annoncé. Par contre, je ne reçois pas tout le monde. Je ne reçois que les gens qui sont sur ma liste, parce qu'il y a une liste qui est ouverte. Vous avez encore jusqu'à... Quand tu dis à une personne qu'il ne faut pas le travail des initiés, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas le travail des initiés par rapport à quelle situation déjà? Ça dépend du cas en fait. Donc je disais que je ne reçois pas tout le monde. Il y a une liste qui est ouverte, je ne recevrai que les noms qui sont sur ma liste. Maintenant, si votre nom ne se retrouve pas sur la liste, vous avez jusqu'à demain matin à 9h pour mettre votre nom sur la liste. Et pour mettre votre nom sur la liste, il faut m'écrire sur Messenger, me poser son problème, afin que moi-même je décide de si vous avez besoin que je vous reçoive ou pas. Les gens qui vont venir me raconter leur problème là, non, vous pouvez me raconter votre problème sur Messenger uniquement, on n'a pas besoin de se rencontrer pour ça. Par contre, les gens qui veulent me raconter leur problème et qui sont prêts à la solution, séance de Nantes, peuvent venir. Je ne veux pas les gens qui veulent me raconter leur vie là et tout, et puis voilà, non. Pour me parler, tu peux me parler sur Messenger, vu que je consulte sur Messenger également. Donc, on n'a pas besoin de se voir. J'ai blanchi avec ma gamme de produits. Hein. J'ai une gamme de produits blanchissante autant pour moi. Et c'est ce que j'utilise. C'est ce qui m'a fait blanchir la peau. Armel Lor Yumbi, tu as un mari spirituel, ma chérie. Tu as un mari spirituel. Ma représentante des USA, non, ne vend pas mes produits. Elle ne vend que les niasses, moi. Elle ne vend ni mon Johnson, ni mes produits spirituels. Elle ne vend que les niasses, moi. Par contre, je suis ouverte aux représentations. Hein. Donc, s'il y a des gens ici qui veulent me représenter, ils peuvent me représenter, ils peuvent me contacter inbox. S'il y a des gens ici qui ont leur petit dos et qui veulent me représenter, ils veulent investir dans la représentation, vous pouvez me représenter. Alors, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Là, je vais terminer mon travail. Que le Seigneur vous protège, hein. Voilà, sentez-vous pénétrer, que la grâce de Dieu vous surabonde et voilà, que vos désirs soient accomplis, que vos pensées se réalisent et puis que vos problèmes soient apaisés. Que le Seigneur, pardon, vous garde et... Je vous envoie plein d'ondes positives pour la suite de votre week-end et de votre mois. Voilà. Bye bye. On va se reparler certainement demain en journée. Certainement demain autour de 13h. Je vais faire un direct demain à 13h et on va se reparler. En attendant, ceux qui veulent me parler, ceux qui ont à me dire, vous pouvez me contacter sur le Messenger de la page. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que quand vous êtes abonné, lorsque je suis en direct, on vous donnera la notification que je suis en direct. Et puis, n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas or. On le constate tous les jours avec les histoires des gens, les histoires que les gens envoient. On se rend compte que... On ne se rend pas compte, on confirme que tout ce qui brille n'est pas or et que le diable rôde en cherchant qu'il dévore, qu'il va dévorer. Donc, nous devons rester dans la prière et que le Seigneur nous garde. Je vous fais plein de bisous. À demain. Bye bye.